Bonjour, bienvenue sur NetProf et bienvenue au cours d'italien. Aujourd'hui, nous allons voir les deux verbes avoir et être, avere et essere. À ce propos, je vous renvoie aussi sur les deux autres vidéos déjà postées sur NetProf. Commençons par le sujet, il soggetto. Io, je, tu, lui, il, lei, elle, noi, nous, voi, vous, loro, il, pluriel, elle, pluriel. Il faut dire qu'en italien, le sujet n'est pas forcément énoncé, parce que le verbe contient déjà tous les renseignements pour comprendre la personne qui parle. Commençons par le verbe avere. J'ai, ho, tu as, hai, il a, elle a, a. Nous avons, abbiamo, vous avez, avete, ils ont, elles ont, hanno. Il verbo essere adesso. Je suis, sono, tu es, sei, il est, elle est, nous sommes, siamo, vous êtes, siete, ils sont, elles sont, sono. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Je vais cacher le verbe et vous proposer des mots et vous allez me faire la phrase. Exemple. Je n'ai pas d'argent. Non ho soldi. Nous n'avons rien. Non abbiamo nulla. Il a 5 sœurs. Lui a 5 sorelle. Tu as fini? Hai finito? Vous avez 2 minutes? Avete 2 minuti? Ils ont des problèmes. Hanno problemi. Je suis en vacances. Sono in vacanza. Nous sommes prêts. Siamo pronti. Il est médecin. È medico. Tu es parisienne? Sei parigina? Vous êtes d'où? Di dove siete? Ils sont combien? Quanti sono? J'ai faim. Ho fame. Nous avons soif. Abbiamo sete. Je suis heureux. Sono felice. Il a peur. Ha paura. Nous sommes à l'heure. Siamo in orario. Il est sympathique. È simpatico. Tu as compris? Hai capito? Tu es anglaise? Ou bien tu es anglais? Sei inglese? Vous êtes content? Siete contenti? Vous avez tout? Avete tutto? Ils sont étrangers. Sono stranieri. Ils ont 3 enfants. Hanno 3 figli. Je suis triste. Sono triste. Nous sommes français. Nous sommes françaises. Siamo francesi. Il a tout. Elle a tout. Ha tutto. Il est vilain. Il est moche. È brutto. Tu es belle. Sei bella. Vous avez raison. Avete ragione. Ils ont tort. Hanno torto. Vous êtes à Paris? Siete a Parigi? J'ai sommeil. Ho sonno. Ils sont en Chine. Sono in Cina. Nous sommes pressés, attention, on utilise le verbe avoir en italien, nous sommes pressés, abbiamo fretta, parce qu'en effet ça veut dire nous avons la hâte, la fretta, la hâte, la précipitation, abbiamo fretta. Tu as un euro? Hai un euro? Et voilà, ce petit exercice d'italien se termine. Merci pour l'attention et rendez-vous au prochain cours. Ciao, ciao!